C'est sous une maison ordinaire, dans un quartier ordinaire, que quatre enfants ont trouvé les secrets de l'art martial le plus fou de tous les temps. Ces jeunes ninjas utilisent désormais leur pouvoir pour combattre les forces du mal. Et ça, c'est pas la tarte aux fruits. Enfin bref, voici Fruit Ninja Frenzy Force. Tunnel du dégoût. C'était un moment décisif. Mon moment de gloire. J'étais clairement la dernière et la meilleure chance pour les ninjas de s'en sortir. Je me devais d'être parfaite. Un seul faux pas et ça aurait été un désastre graisseux. En fin de compte, mon élégante technique a mené à la destruction totale de l'ennemi. Ouais... non. Si t'arrives à ça aussi facilement, pourquoi tu les découpes pas comme ça à chaque fois? Et puis sérieux, c'est moi qui ai tout fait dans ce combat. Dès que j'ai vu le samouraï, j'ai pris les choses en main, en me cachant et en attendant courageusement, jusqu'à ce que... Griffe banane, méga bat tranchante, activée. Tel un héros, je n'ai cessé de frapper leur poing avec ma figure, jusqu'à ce que les renforts arrivent. Et ça, c'est du lourd. Oui, c'était très bien joué, on te félicite pour cet effort, mais... souvenez-vous bien, c'est moi qui ai mené l'assaut. Vous avez parfaitement fait diversion tous les trois, mais... je suis le grand héros du jour. Il te faudrait un moteur à réaction dans le dos pour faire ça. Madame et messieurs, le souvenir le plus vrai de tous, tadam! Vous étiez tellement occupé à vous appliquer sur la forme et la technique que vous en avez oublié les choses les plus simples. Oh. Ah, ah. Ah. Mais tu n'as... quel genre de ninja a des bacs à poubelles sur lui? Certains parmi nous sont toujours prêts. Donc, la récompense revient au vainqueur. Toute une nouvelle fournée de gras double remplie de méchanceté et on n'arrive toujours pas à les battre. Pourquoi c'est si dur d'être un samouraï de la bonne frite? Parce que tu es un idiot, mon très cher maître. Qu'est-ce que tu as dit là, Durian? Les fruits ninjas sont rusés et intelligents, mais sûrement pas invulnérables. Il n'y avait aucun fruit dans l'assaut final. Il nous faut donc une nouvelle tactique. Développer tout notre potentiel pour vivre honnêtement de la restauration? Avec du secret, de la ruse, de la manipulation. Par exemple... nous pourrions utiliser la prochaine fournée de gras double pour connecter ce restaurant au vaste réseau de tunnels qu'il y a sous Eplushville. Les tunnels, c'est pas vraiment mon truc. L'imagination non plus. Mais continue. Et comme ça, de l'autre côté, on pourrait déboucher dans le dojo. Nous allons nous introduire dans le dojo des fruits ninja et au lieu de leur voler leurs manuscrits, nous allons planter en eux une petite graine de méfiance pour affaiblir leur esprit d'équipe. Oh, du jardinage! Oh, bah je prendrai mes gants alors. Les fruits ninja seront à l'origine de leur propre perte. Ah! Je t'avais dit que c'était à gauche, en dessous du conduit d'égout, juste après le T-Rex fossilisé, mais tu ne m'écoutes jamais. Oh, oh, je suis fatigué, j'ai faim. Chut. Ah! Nous y voilà. Oui, enfin. Oh, oh, bonjour. J'ai dit bonjour. Tu crois vraiment que c'est un bonjour, Seb? Combien de temps tu pensais pouvoir nous cacher la vérité? Le samouraï de la bonne frite. Ce livre appartient à Seb, même s'il ne veut pas le dire. Vous croyez que je travaille pour Marc Samouraï? Mais c'est même pas mon écriture! Comment on peut en être sûr? Je ne sais absolument plus qui tu es maintenant! Je vous jure! Laisse tomber! Il faut qu'on aille travailler au stand de jus de fruits. Tu peux venir aussi! Enfin, si tu arrives à te libérer de tes autres obligations! Pour quel genre de meneur est-ce qu'ils me prennent? Hein? Tout s'explique! Alors, comment ça va les affaires aujourd'hui? Vous sympathisez avec de riches méchants? Vous vendez beaucoup de jus de mutinerie? Hein? Quoi? Ça a l'air bon ton truc! Admettez-le! Vous complotez contre moi pour de l'argent! C'est pas nous ça! Pourtant ce sont bien vos têtes! Oui, mais ce ne sont pas nos corps! Hein? Je sais plus du tout ce qu'il faut croire! Est-ce que je peux avoir un smoothie harmonie s'il vous plaît? Voilà qui n'est pas suspicieux du tout! Vous voulez un smoothie harmonie pour nous donner une leçon sur l'esprit d'équipe, hein? Non, je veux simplement un smoothie harmonie pour me calmer. Il y a de drôles de grognements dans les tunnels souterrains d'Eplushville. Il paraît que ce seraient des mutants. Laissez-moi deviner, ces drôles de grognements représentent nos doutes et ces tunnels représentent nos émotions, c'est ça?
C'est pour une caméra cachée? Je suis filmé. Fini les devinettes et les déguisements bizarres, drôle de vieux monsieur. Ce n'est pas le vieux monsieur bizarre de d'habitude. Merci beaucoup, Capitaine Évidence. Tu essaies de nous faire faire faillite avant de partir, lâcheur? Oh, parce qu'il y a un stand à faire tourner où vous l'avez vendu à Dorian Gray avec vos âmes. Oh, au secours, Peng, qu'est-ce que t'as mangé encore? Pour une fois, c'était pas moi. Regardez, ça vient de la bouche d'égout. Il y a peut-être vraiment quelque chose d'anormal là-dedans. On devrait aller voir. Des tunnels souterrains, c'est le lieu parfait pour nous trahir. T'as qu'à y aller en premier, toi, le meneur courageux. Et courageusement, je dis à Peng d'y aller en premier. Ok. Ralph, c'est toi qui y vas. Alors, vous venez ou quoi? Mince, il y a peut-être vraiment des mutants dans ces égouts. Des mutants? Ou des mutins, plutôt? Hé, hey, mon pote, oublie ça. On doit essayer de trouver notre chemin pour l'instant. Pourquoi ne pas partir à gauche? Bonne idée. Ah, vous l'avez bien dit! Un mutant! Alors là, chacun pour soi! C'est du ruban adhésif dans votre cou. Est-ce que je suis bien au bureau des mutants des égouts? Je viens donner un cours sur l'esprit d'équipe. Est-ce que votre cours aborde la trahison d'un membre de l'équipe qui change de camp et qui ensuite accuse ses coéquipiers de mutinerie? Non, non. J'allais plutôt parler du fait que sans l'esprit d'équipe, il n'y a pas d'équipe. Sortie de mutants! Il y a des jours où je me demande où j'en suis dans la perception de la réalité. Où est ton filet à cheveux? Je l'ai fait tomber dans le ragoût de Gradouble. Ah, tu n'es que frustration. On a accès à leur dojo grâce à un tunnel top secret. Pourquoi on n'y retourne pas pour voler? Gâcher. Quand on combat les fruits ninja, c'est d'y aller doucement mais sûrement qui fonctionne. Crois-moi. Oh, monsieur le génie. Eh ben, moi j'en ai marre d'attendre. Je suis pas censé être le maître et toi le laquais. Je préfère dire collaborateur du maître. Ça n'existe pas. Oh, ils nous ont piégés, les amis. On était tellement occupés à se soupçonner les uns les autres qu'on a oublié l'essentiel. Comment ces preuves nous incriminant étaient apparues dans le dojo? Et qui était à l'origine de ces tunnels? Des mutants? Peut-être Peng. C'était Peng, non? C'était Mark et Dorian. Oh, on est tombé dans le panneau. Je déteste mon cerveau. Chut. Ils vont nous entendre. Ah! On y va, les amis! Sans l'esprit d'équipe, il n'y a pas d'équipe. Et comment on s'y prend pour travailler en équipe? Il faut rester simple. Seb, toi et Nia, vous les faites tomber. Et Ralph et moi, on porte le coup fatal. T'es prête pour la compoter? C'est ça que j'adore. Oh, juste un petit peu. Nia, t'as été d'enfer. Non. Si. Qui a commandé un combo de fruits ninja en morceaux accompagné de pleurs?
personne, mais j'ai ton burger samouraï dans son petit point rond juste ici, si tu veux. Vous avez eu accès à mon fromage fondu? Oh, ça suffit! Vous êtes comme les grumeaux dans un milkshake et les petits os dans un filet de poulet. Quand j'en aurai fini avec vous, vos pleurs désespérés retentiront à tout jamais. Super le plan! T'en as d'autres comme celui de laisser les ninjas s'échapper! Mieux que! Oh tiens, rentrons, mais ne cassons et ne volons rien! Oh, comment oses-tu? Comment toi tu oses? J'ai l'impression qu'on a appris une bonne leçon aujourd'hui. Oui, tant qu'on se fait confiance, on est imbattable? Non, que je ferais un très bon meneur! C'était plutôt évident, j'ai trouvé. Ou que si on est une équipe, rien ne peut nous faire peur! Donc, souvenez-vous, les trois C de l'esprit d'équipe. Communiquer, collaborer et cogner où ça fait mal. Vous avez des questions? Oh. L'info fruit. Les citrons contiennent plus de sucre que les fraises.